vous avez de la difficulté à faire vos stalls, donc un arrêt, repartir et que ce soit fluide et bien fait, aujourd'hui, on voit comment. À quoi ça sert des stalls? C'est tout simplement pour faire des enchaînements, pour pouvoir briser un peu le rythme des pas et donc, et arrêt, repart, arrêt, repart, arrêt, arrêt, et boum! C'est hyper beau visuellement, ça fait du bien, l'œil en a besoin. Pour commencer à comprendre les stalls, on va tout simplement penser à relaxer, laisser tomber encore une fois un poil. Premier exercice à faire pour les stalls, les arrêts. Je vais commencer par prendre mon poil sur le côté. Là ici, il est en stall, il est en arrêt. Je vais le tremper dans mon pot de peinture qui est en plein centre. Mon objectif naturellement, c'est qu'il soit le plus immobilisé possible et que ma corde reste le plus droite possible. Lorsque mon poil n'a plus d'énergie et qu'il va retomber vers le sol, vous voyez, si je le tiens, qu'est-ce qui va se passer? Le poil va aller vers le côté. Moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement suivre avec ma main et le poil va pouvoir descendre en ligne droite. Ici, hop et hop. Vous pourriez le faire vers l'extérieur avec les deux mains. Essayez de trouver une façon que votre poil soit sur une ligne presque droite. C'est votre prochain exercice. Ma main va accompagner, tirer vers le haut, raccompagner, tirer vers le haut. Donc, voici ce que cette main va faire comme mouvement. Hop, 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 hop. Juste pratiquer ceci naturellement avec vos deux mains. Une et l'autre. Par la suite, un stall vers le haut. Si je lâche mon poil vers le haut, qu'est-ce qui va se passer? Il va cogner le plafond. À la place de lâcher mon poil parce que là, je vise le plafond, je vais suivre avec ma main. Pour commencer, n'essayez pas de le faire une fois après l'autre. Ici, est-ce que je l'ai bien fait? Oui, super. Je travaille de l'autre côté. Je l'ai bien fait? Oui, super. Maintenant, notre objectif est d'écrire un stall comme ceci. Donc, quand je suis ici, même chose. J'envoie le poil et mon objectif, c'est de l'envoyer vers là. Mon poil va s'en aller vers l'eau. Je vais l'accompagner et par la suite, mon mouvement, je retire vers la direction opposée et je m'en vais vers le sol. Théoriquement, vous n'allez pas sentir de force de coup. Ça ne fait pas ça, ça ne marche pas. Prenez votre temps, il faut que vous ressentiez le poil et que vous soyez capable de l'accompagner ici. Et d'essayer d'avoir un poil qui est le plus possible dans une ligne horizontale. C'est maintenant le temps de se dire à une prochaine. Je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite d'aller à l'extérieur, de pratiquer vos stalls, de vous amuser, de ne pas avoir un plafond haut comme moi. Et naturellement, je suis en train de créer ma chaîne YouTube, donc envoyez-moi des propositions. Ça va me faire un grand plaisir d'y mettre des suites. Bonne journée.